Malgré l'averse sur la ville pétrolière, cette huitième journée du championnat national de football entre l'AS Solidarité en rose et Manga Sport, solide leader avec 18 points, aura tenu toutes ses promesses. Une première mi-temps de haut niveau, les deux formations faisant montre d'envie. Les buts, un doublé de Junior Mensah pour l'AS Solidarité, confirmant ainsi la bonne prestation des Port-Gentillais à domicile contre deux buts de Lionel Yakuya et de Tsitsigui pour les Miniers. Le fait du match reste assurément le deuxième carton jaune du capitaine Edmond Mouélé, synonyme d'expulsion. Score final, 2-2. C'est plutôt un bon point dans la mesure où nous jouons le titre. Il ne faut pas perdre les points à l'extérieur. Déjà, on est arrivé, c'était plus compliqué. On était mené 2 fois au score, on est revenu 2-2. Donc on ne crache pas dans la soupe, on a pris un point. Je pense que c'est un bon point. En seconde mi-temps, on a joué 45 minutes. On est en supériorité numérique, on doit profiter de cet avantage-là. Mais on n'a pas pu profiter de cet avantage-là. Et c'est là où vraiment j'étais dessus. Mais sur le plan combativité, les gars se sont battus. Seulement qu'il y a encore un petit manquement au niveau des gars parce qu'à ce stade-là, ce n'est pas parce qu'on a marqué 2 buts, eux aussi ils ont marqué 2 buts. C'est là où on doit encore se surpasser pour essayer de gagner le match. Pour la 9e journée, Manga Sport recevra Missile FC pendant que l'AS Solidarité ira à Libreville affronter la formation du FC Akanda qui a perdu lors de cette journée son match face à Port-Gentil FC 2-1.